Salut! Il n'y a plus aucune conversation entre lui et Olivier depuis dimanche. Aucune conversation. Donc là, aujourd'hui, on va se voir. Et voilà, je suis désolé. Donc pour les gens qui ont loupé ce qui s'est passé pendant le match, je vous mets un petit résumé. Regardez. L'espoir fait vivre. Je suis pas du côté des victimes. Allô, Naké. Il est temps de péter un fond de commerce. Faut du liquide, Pélec, je suis quand ça débute. Jette mon flow quand je dabais, je suis le meilleur comme d'un fou. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était un putain de gros viol. Jamais été aussi heureux en 2017. Là, depuis 6 ans, ils ont pas gagné contre Paris. Donc là, Olivier, il est en route et il doit avoir un gros seum. Plus il s'approche, plus on sent le... Tu vois, un petit seum qui arrive, tu vois. Là, depuis tout à l'heure, on marche parce que le Rameski cherche un... Un pistolet, frère, pour sa vidéo. Denise. Ouais, en fait, Elogia meurt à la fin de cette vidéo. Oh, le bâtard. C'est pas vrai. Excuse-nous, les Rameski, elles ont percé. Vas-y, mon pote. Bonjour. Donc, qu'est-ce que ça fait de ne plus pouvoir faire ses courses tranquille? Ah, c'est extrêmement gênant. Je rigole. Non. Bah, au moins, il y a quelqu'un pour les porter tes courses. Ouais, et pour les payer. T'imagines? Ouais, j'avoue. Junior, je peux te payer tes courses? Le seum est dans le bus. Le seum est dans le bus, il arrive. Aglou. Devine pourquoi je souris. Ah. On parle après, d'abord on va payer tout ça. Bouge pas, reste ici. On a des choses à se dire. Donc voilà, Olivier est parmi nous. Je sens un peu du seum. Ouais, il est blasé, il est très très blasé. Hey, toi tu fais de la muscu ou quoi? Ouais. T'es mal, elle est en train de souffrir, elle a cru qu'on allait l'aider à porter. Non. Ah ouais, t'as cru que j'allais t'aider? Démarche nonchalante. On dirait qu'il est en manque d'énergie, tu sais. Là il regarde le sol, tu vois, il est pas bien, tu vois, il est pas bien du tout. On va se rapprocher de la victime. On va tenter une approche. Vous avez vu c'est ou pas Marseille. Comment il est dégoûté? Ça c'est Marseille et moi je suis Paris. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. It's been a long way without you, my friend. Not telling what a body when I see you again. Monsieur Olivier, qu'as-tu pensé de ce match? Non, on a été fort quand même. On a été très très fort. J'ai joué votre jeu, mais nous on a rien fait donc. Aujourd'hui, nous allons visionner le sacré viol qu'on a vu PSG Marseille. C'était vraiment exceptionnel. Donc, en fait, c'est au cas où si t'as oublié quelques scènes, tu vois. Parce que, là, tu vois, c'est Verratti, tu vois. Tac. Et le but, voilà, que de Marquinhos. Tiens, on distribue le. Oh là là, la passe d'arrêt. La vue de Cavani. Tu vois, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle de l'art. Est-ce que t'as vu la passe aveugle de Pastore? Oui. Est-ce que chez vous, il peut faire ça? Non. Il peut faire ça chez vous? Ça n'existe pas chez vous, je crois. Si. Non. Ça n'existe pas là-bas. Oh, celui-là, il est magnifique. Regarde, Rabiot. Passe. Tac. Oh, le gars. C'est magnifique. Magnifique. Là, on a 3-0, là. Mouillé dans l'axe. Hé, gars. Hey, Draxler, je t'aime, ça... 1-2, carrément. Carrément, ça fait des 1-2, ça ressort dehors et ça met des boulets comme ça. C'est ce qu'on appelle du football, les gars, du football. Donc voilà, on a fini de visionner la fameuse vidéo, la fameuse sextape, hein, comme certains l'appellent. Et voilà. Bon, en fait, comment tu vis ce traumatisme? Enfin, tu sais, quand tu te réveilles le matin, je sais pas, tu te sens comment, en fait? Parce que... Enfin, Laura, est-ce qu'on peut lui donner un peu d'eau? Je pense qu'il a besoin d'eau. Ok. Là, je pense qu'on va arrêter. Elle nique sa mère, les balles. Elle m'a mis dans l'oreille. Ah merde, elle m'a mis. Donc là, en fait, on va aller voir un film en avant-première. Et Olivier se sentait pas bien, il est parti chez lui pour aller pleurer vite fait. Et après, on le recapte au ciné pour l'avant-première. Je suis vraiment impatiente de voir Passion. Ah, en fait, c'est parce qu'on va voir le film Passion en avant-première, mais ouais, la blague, putain, qu'est-ce que je fous avec des gens comme ça, putain. On n'attend plus que Laura lâche son putain de gros cake. J'entends, hein. Ouais, c'est ça. Hey, regardez Laura, elle s'habille classe, elle croit, elle pécho. C'est sur le décolleté et tout ça, on voit T1, frère, comme toi. Je regarde. Non, on les voit pas, frère.
C'est un soutif blanc en dessous. Pourquoi elle parle, Elodie, là? Calme-toi. Tu me déranges. Change, on change de basket. C'est quoi ces baskets? On sort comme ça, là. Tu m'as jamais vu sortir ça? Comme. La vie de ma mère, t'as déjà sorti ça. On voit pas mes seins. Regardez, votez en commentaire si on voit ses seins. Connard. Mais range ça, wesh, mais un peu. En plus, j'ai pas de seins. Non, on voit tes seins. Ça. Non, va ranger. Du temps de me préparer. Mais un pull, frère. Elle a cru que c'était une sextape. Ouais. Non, ça va pas, faut que tu fermes. Tu crois on va aller où là? Non, en fait, Laura, c'est parce que j'ai dit il y aura des acteurs. Donc voilà, là on va à l'avant-première et on retrouve Olivier qui est rentré tout à l'heure parce qu'il était pas bien, tu vois. Ça va mieux? T'es encore là toi? Ouais, ça va mieux ou pas? Tu peux pas me laisser tranquille, s'il te plaît. Non, 5-1 mon gars. Ah, y'a un mec que j'ai pas vu. Ah, il était pas là tout à l'heure. 5-1. Elle était là, ouais, et tout, imagine, on gagne. Ouais, j'ai pas dit qu'on allait gagner, j'ai dit imagine. 5-1. Qu'est-ce que tu as ressenti? Trop d'émotion. Tu vois, Marseille, c'était comme ça, le trou. Non, mais faut dire comme ça, frère, tu sais. Eh, mais gros. Pardon. T'es mal, elle a fait quoi? Pardon. Franchement, sur Marseille, j'ai rien à dire, hein, parce que franchement, 5-1, ça fait mal quand même. Donc là, voilà, on n'est pas loin de l'avant-première. Je suis avec Léonard, qui nous vient de Orléans, un très très grand youtubeur. Voilà, Olivier est toujours dégoûté du 5-1 qu'on leur a mis. Ah, ça va Olivier? Non, t'inquiète. Genre là, on a une salle privée que pour nous, tu vois. Ouais, yes. Que pour nous, pour regarder le film Patient. Voilà, qui est juste là. Les gars, j'ai... C'est le feu. T'attends quoi de ce film? Franchement, je m'attends à avoir un bon film. Mais tu vois, la patience, ça commence à patienter. C'est pas français ce que j'ai dit. Oh mon dieu. Oh non, non, mon dieu. Faut avoir un peu de patience pour voir patient. Son rire. Comment ça va, Steven? Très bien, et toi? Depuis le classico, t'es sûr que ça va très très bien? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Enfin, je sais que tu penses rien parce qu'il n'est pas encore sorti, mais à quoi t'attends-tu vraiment? Bah franchement, je pense que ce sera un film assez intéressant, tu vois, ouais. Je suis un peu impatient de le voir, j'ai le mot. Mais franchement, non, franchement, je pense que ce sera vraiment un truc assez... D'accord. Bonjour, Olivier. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? La forme? Voilà. Que penses-tu vraiment de ce film? Déjà l'affiche, est-ce qu'elle te parle, l'affiche? Ah oui, on voit 5 personnes qui nous regardent, donc ils ont l'air impatients de qu'on voit le film, tu vois, donc... L'affiche, elle peut pas te parler puisqu'elle parle pas. Est-ce que je peux avoir le silence, s'il vous plaît, pour me concentrer sur le film? Non. Merci beaucoup. Non. Elle va faire que de parler. Moi, parce que toute sa vie, elle parle. Tu vois, elle commence à parler. Tu vas l'entendre rire toute seule. Genre, je ris facilement, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que il est en train de dire quoi? Il a dit, je peux jamais regarder un film avec toi. Triple X, dernière fois, gros, t'es à côté de moi. Tu m'as dit, regarde, ça va exploser. C'est un mytho. T'es vraiment un gros bâtard. C'est un mytho. Alibi m'a fait la même chose. Donc voilà, on a vu le film, franchement, il est top. Il est top, il est génial, franchement. Il est magnifique. Franchement, génial. On vous conseille d'aller le voir en balle. C'est moi qui devais le dire. Allez le regarder en VO, hein. C'est important. Mais en même temps, il est français. Wow. C'est un film français. Donc forcément, ils vont le voir en VO. Wow. Putain, vas-y, avance. Vous avez kiffé le film, les gars? Et magnifique. Ouais, c'est ça, magnifique. Ouais. Ça m'a touché. J'ai failli pleurer. Hein. En fait, moi au début, je pensais que tu pleurais pour PSG Marseille. Bon. Par contre, ça me donne décolleté, frère. Je fais une vidéo. Il y a des gens de 12 ans là. Décolleté, frère. Ah ouais, frère. Sérieux.